La vérité. Quand on parle de vérité, de quelle vérité parle-t-on au juste? De la vérité par rapport à notre expérience de vie, de la vérité qu'une autorité a décidée, ou de la vérité de l'âme? Y a-t-il une vérité plus importante qu'une autre? Y a-t-il plusieurs vérités? Y a-t-il des vérités propres à certaines cultures, à certaines croyances? Qui détient la vérité? Ne confondons-nous pas parfois vérité et opinion, vérité et croyance, vérité et projection personnelle, vérité et pouvoir. Tout d'abord, je crois qu'il y a au moins autant de vérités que d'individus. Oui, tous, nous avons une expérience de vie différente, et donc des points de vue différents, des besoins différents, une compréhension différente en fonction de notre expérience de vie et de nos croyances. Ce qui est vrai pour quelqu'un peut être tout à fait erroné pour quelqu'un d'autre. Les conditions dans lesquelles nous vivons définissent aussi la notion de vérité quant à certains sujets. Par exemple, si nous vivons dans un pays en guerre ou en perpétuel conflit politique, la vérité du point de vue sécurité ou alimentaire ne sera pas la même que si nous vivons dans un pays calme, stable politiquement et équilibré. Si nous vivons dans un pays en voie de développement ou dans un pays dit riche, notre expérience quotidienne, donc notre vérité, ne sera pas la même. Quant à la vérité imposée par une autorité, quelle qu'elle soit, n'est pas forcément une vérité absolue. La vérité de l'âme est la seule vérité égale pour tous les êtres. Pourquoi ? Parce que tous, nous sommes issus du même moule énergétique. Tous, nous sommes constitués de la même fibre lumineuse d'amour, de la même source divine. Quelles que soient nos appartenances religieuses ou croyances, tous, nous recherchons les mêmes buts dans la vie, à savoir le bonheur, l'amour, la sécurité, la paix et la paix de l'âme. Tous, nous aspirons à retrouver un état d'union, même si beaucoup ne savent pas d'union avec qui ni avec quoi. Le plus souvent, cette recherche d'union se fait à travers une relation amoureuse ou du moins espère être assouvi dans la relation amoureuse. Or, nous le savons tous fort bien, ça n'est pas souvent le cas. Alors, où se trouve la vérité? Elle se trouve là où se trouve le trésor caché, dans le silence du cœur. Oui. La vérité ne se trouve que dans le silence du cœur. Alors, qu'est-ce que ça signifie que de dire la vérité? Dire la vérité par rapport à quoi? Par rapport à qui? Que faisons-nous lorsque nous disons la vérité? Sommes-nous en train de dire la vérité de ce que nous percevons, de ce que nous croyons, de ce que nous pensons, de ce que l'autre attend d'entendre ou de ce qui est à l'intérieur de nous, dans le silence de notre cœur? Disons-nous la vérité qui plaît
et qui fera que nous serons aimés? Ou disons-nous la vérité que nous ressentons réellement? Disons-nous une vérité partielle qui nous arrange pour nous tirer d'une situation délicate? Ou dirons-nous une vérité qui ne sera pas forcément à notre avantage, parce qu'elle risque de déplaire à l'autre et nous faire perdre quelque chose, mais sera pourtant la vérité avec laquelle nous vibrons au fond de notre cœur? Et lorsque nous demandons à un enfant de dire la vérité, qu'attendons-nous exactement de lui? Sa vision n'est pas identique à celle de l'adulte, et nous le savons bien pour avoir été enfant. Complexe est la question de la vérité, et pourtant, simple pourrait être le rapport entre les êtres si chacun essayait de comprendre le point de vue de l'autre et le respectait. La vérité ne serait pas aussi controversée, et tout irait beaucoup mieux dans le cœur des hommes et dans le monde. Combien de fois n'entendons-nous pas deux histoires différentes pour une même situation vécue par deux personnes? Combien de fois pouvons-nous nous demander si les partenaires d'un couple vivent vraiment ensemble les mêmes expériences lorsqu'ils parlent de quelque chose d'intime? Pourtant, chacun dit la vérité en fonction de son expérience émotionnelle, psychologique et ou spirituelle. Et vous, quel regard posez-vous sur la vérité? Qu'attendez-vous de quelqu'un lorsque vous lui demandez de dire la vérité? Et au-delà de tout jugement, comment vous engagez-vous face à la vérité? Vivez-vous le plus souvent en état de vérité intérieure? Ou vivez-vous en état de vérité qui vous arrange?